le phénomène du commerce collaboratif est bel et bien inscrit, ancré dans les pratiques des Français. Deux acheteurs sur Internet sur trois ont pratiqué le commerce entre particuliers au cours des 12 derniers mois. Et 9 sur 10 parmi eux ont utilisé le canal Internet pour ce faire. Alors dans ce qui est reflété aujourd'hui pour le C2C, le commerce entre particuliers, c'est que la confiance est un des ingrédients essentiels. Et donc il ne s'agit pas simplement de mettre en relation deux particuliers, mais il faut également qu'une plateforme permette de garantir et de créer les conditions de la confiance entre deux personnes qui ne se connaissent pas, de façon à ce qu'ils aillent jusqu'au bout de leur transaction. C'est l'économie au sens général du terme, l'économie collaborative. On est en train de la dénommer collaborative, mais avant d'avoir une économie entre guillemets traditionnelle, je pense qu'on était dans une économie collaborative. Donc le système capitaliste a peut-être fait évoluer les tendances pour revenir à des bases qui sont l'économie collaborative, comme on dénomme aujourd'hui, tout simplement.